Allez, on démarre donc ce show AQPS 2015 du Lion d'Angers avec le numéro 4, présenté par Monsieur Michel Corollaire, qui nous vient de la Bretagne, département 29. Une femelle de Loro, Loro qui a fait un doublé tout récemment d'ailleurs en plat, à Longchamp et sur cet hippodrome du Lion d'Angers. Et Kilkenny, la mère, le nom d'une très bonne bière irlandaise, par Ungaro, donc un croisement typique des haras nationaux, le croisement de Loro sur Ungaro, de chevaux d'essence allemande d'ailleurs. Kilkenny qui a gagné deux courses en plat et une course en obstacle chez elle en Bretagne à Pontivy. Voilà, je vous rappelle que les trois juges qui sont en train d'inspecter le foal, c'est François Goriou, Jean-Pierre Aumont et Michel Jouenne-Cyprès. On va marcher, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas laisser les foals trop longtemps stationnaires. En plus, ils s'énervent. Donc, on va marcher, faire un aller-retour au pas et après au trot. On y va, s'il vous plaît. Allez, on va le lâcher, c'est plus simple. La lâcher, en l'occurrence. Allez, un aller-retour au pas et un aller-retour au trot. Je reprends le micro, Michel. Hein ? D'accord ? Ok, non, non, ok. On va s'en prendre une. Bah, c'est un peu annoncé, mais pas forcément là. Non, il est un. Ah bon ? C'est pas forcément là. Hein. Ah, c'est pas. Normalement, ça va plus loin, Michel. Ah, ils annoncent pas là. Voilà, vous pouvez partir au trot désormais. 25 personnes ont amené leurs chevaux hier soir. On avait 10 maxis l'année dernière. C'est bien là, je trouve. Ah oui. Vous auriez été avec nous, vous auriez arrivé. Philippe Lamotte d'Argile. Il y a eu un accident ce matin à Rennes. Donc bloqué, il ne pouvait pas. Il passe dans les premiers. Il a fait que d'appeler. Il est arrivé là. Ils ont fait comment ? J'ai fait, vous allez au box, préparez votre jument et vous penserez après. Hop là ! Elle est fraîche. C'est vrai que le temps est un peu orageux, hein, mais selon les prévisions, il pleuvra partout dans l'Anjou, sauf sur la ligne droite de l'hippodrome du Angers.